retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble comment faire des pancakes healthy. Donc aujourd'hui je vous propose une version healthy, donc commençons dès maintenant avec les ingrédients pour la recette. Donc pour cette recette vous aurez besoin de 85 g de son d'avoine. Alors le son d'avoine c'est voilà ceci, donc c'est la partie donc du flocon d'avoine qui est la plus nutritive, donc avec le plus de nutriments. Donc comme vous pouvez voir, le flocon d'avoine est très fin. Vous aurez également besoin de 2 œufs, un peu de cannelle, 2 bananes écrasées, des blancs d'œufs montés en neige, un peu de sel et un demi sachet de levure chimique. Donc voilà pour les ingrédients, donc je vais mixer tout ça, mélanger tout ça et on se retrouve juste après. Donc voilà les amis, tous les ingrédients ont été mélangés, donc comme vous pouvez voir on obtient cette magnifique pâte. Donc on a encore un petit peu de morceaux de banane qui reste donc, sur la pâte, mais c'est pas grave, à la cuisson ça ne se verra pas. Et j'ai oublié de le mentionner, mais pour cette recette j'ai utilisé de la cannelle, mais vous pouvez bien évidemment utiliser de la vanille en poudre ou de l'extrait de vanille. Maintenant, il nous reste à ajouter donc les fameux blancs d'œufs. Donc, c'est une étape délicate car vous savez, il ne faut pas casser les bulles d'air des blancs d'œufs, sinon on n'aura pas cette texture d'éponge. Donc, on va aller délicatement et surtout, on va aller progressivement. Donc, on va commencer donc avec une partie. Donc voilà, donc là, on commence avec une partie des blancs d'œufs et là, on va venir soulever la pâte. Très important parce que on ne veut pas casser les bulles d'air donc des blancs d'œufs. Donc là, on vient soulever la pâte, ok, donc avec notre fourchette, notre cuillère, et on va faire ça donc pour le reste des blancs d'œufs. Donc là, on soulève la pâte. Donc comme vous pouvez voir, on a donc cette texture un peu plus liquide donc de la pâte. Et donc voilà. Donc moi, je vais finir tout ceci et je vous dis à tout de suite. Comme vous pouvez voir, j'ai fait chauffer donc une poêle à laquelle j'ai ajouté la préparation des pancakes. Donc là, pareil que les pancakes normales, on va les faire cuire 30 secondes environ de chaque côté. Alors ça dépend aussi de votre feu, mais normalement 30 secondes ça suffira, comme je l'ai dit. Et voilà, donc moi je termine la cuisson des pancakes et on se dit à tout de suite. Comme vous pouvez voir, la cuisson des pancakes a été assez compliquée pour moi. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais rajouté donc les blancs d'œufs et en fait, la préparation était trop liquide. Donc voilà pourquoi les pancakes se sont un peu cassés la gueule. Donc excusez-moi pour le terme, mais il faut le dire. Donc du coup, on a toujours quand même cette texture d'éponge et cette texture ultra moelleuse. Donc là, juste pour vous montrer donc, que c'est super léger encore. Et donc à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, mais regardez, on a toujours cette texture ultra moelleuse qu'on avait tout simplement avec nos pancakes normales. Donc voilà, donc là comme vous pouvez voir, c'est super moelleux. Donc moi en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé la recette. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire merci de votre attention et ciao.